voici ce que vous avez manqué lors du dernier épisode du stream. C'est ça. À 5h30 du matin, t'as pas l'arcan qui est négatif au bout. Puis là, ça gueule jusqu'à 10h, cette affaire-là. Puis après ça, la fin de semaine, t'as Joanne Verdon qui est en bac. Moi, là, ça me fait mourir. L'autre fois, j'allais jouer au golf un samedi matin, puis il y a un monsieur qui a appelé, ça a duré 15 minutes. Puis je sais pas trop quelle maladie qu'il y avait, puis là, il a commencé. Je peux-tu manger des poires avec ce médicament-là? Peux-tu manger des pommes avec... Je lui ai dit, coudon, monsieur, oh, on va-tu faire notre épicerie ensemble, monsieur? Ah, oh, il me reste 15 à 20 articles. Peux-tu manger du pain? Ah, moi, je capote. Quand j'étais au cégep, j'avais un cours. OK, c'était botanique forestière, que ça s'appelait. Puis moi, j'étais un peu... rebelle dans l'ombre. Fait qu'il est un moment donné, là, il dit, l'autobus jaune, mon ami, on embarque dans l'autobus, on s'en va dans un parc, la réserve faunique, le Cap Jaseux, dans le coin de Saint-Fulgence, au Saguenay. Fait que là, okay. Le prof, un gros bonhomme sympathique, tu l'habilles en rouge, c'est ben barbe, t'es Noël à l'année. Fait que là, il commence à faire goûter des bourgeons de ci, des bourgeons de ça. Moi, j'étais avec un de mes chums, puis nous autres, on était un peu les gars de côte de cuir, de comment t'appelles ça, d'où est-ce que tu viens, là, des corps? De vins? Ah, les vins, OK. Je suis trompé de 5 minutes, quand même, papa. Fait que là, on arrive là, fait goûter les bourgeons, puis tatati, tatata. La run d'autobus, c'est à peu près 45 minutes. À tous les 10 minutes, en revenant, il fallait arrêter. C'était sur le bord de l'autobus, mon ami, assez intense, tout le monde laxatif, veux-tu. Le prof est obligé d'envoyer une lettre d'excuse à tous les parents, puis les étudiants, ils s'étaient trompés. Puis là, c'est là que j'ai eu mes premières croyances dans les vertus médicinales des plantes. Ils m'avaient donné une laxative, mon ami, puis ça fessait en six mois. Ça n'avait aucun sens. Ils vous avaient fait manger des plantes? Oh oui, c'était une racine de je sais pas trop quoi, puis ils s'étaient trompés. Il avait vraiment donné ça. Mettons, on était une vingtaine dans l'autobus, il y en avait deux avec la tête sortie par l'autobus qui criaient après les autres, moi puis mon chum, parce qu'on avait, tu sais, on avait nos côtes de cuir, puis on était les voyous de la gang, là. Puis là, les autres, hey, ça avait pas de bon sens. Ça, c'est encore dans la série vécue, là, tu sais. Est-ce que c'est drôle, ça? Fait que là, il vous... Attends un peu. On récapitule. Là, OK, on va aller faire une sortie scolaire. Vous embarquez tous dans l'autobus. Il vous amène dans le bois. Il vous fait marcher un peu. Il vous regarde. Là, il vous pointe des plantes, des affaires de même. Puis là, il dit, les amis, on va manger quelque chose qui va... C'était quoi les vertus de ce qui était supposé? Je me souviens plus de l'idée en arrière du goût, tu sais. Je me souviens plus de quelque chose. Comme lui, mettons, il emmenait des bourgeons de cèdre. C'était dans des pots de café, Nescafé, là, dans le sirop d'érable, par exemple. T'sais, là, il faisait goûter ça. Il y avait des affaires qui étaient bonnes, comme il faisait de la bière d'épinette. Il faisait des affaires de même. Puis ça, il y avait des vertus, comme de l'ail des bois, c'est une des premières fois, des queues de violon, là, des têtes de foulard. Puis là, il arrive à cette racine-là, mon homme, puis okay. Il fait goûter ça à tout le monde. Là, bon, il dit à tout le monde, ouais. Il dit, prenez-en un morceau, mangez ça. Oui, c'est un genre, mettons, ça réhydrate, exemple, ou ça a un goût doux, ben, okay. Ça, même. Il y avait peut-être un goût doux, mais je peux te dire que ça sortait solide dans ce bois. Puis là, vous rembarquez tout dans l'autobus, il n'y a pas personne qui s'en rend compte avant de rentrer dans l'autobus? Ben non, après une dizaine de minutes, là, ça arrêtait aux 10 minutes. C'était pas une fois, un autre l'autre fois, là. C'était, mettons qu'on était 20, il y avait moi puis mon chum qui criait par la vitre, la tête sortie par la vitre après les autres sur le bord de l'autobus. Puis mettons qu'il y en était 20 dans l'autobus, il y en avait 18, mettons 19 même avec le prof qui allait qui allait faire ce qu'il avait à faire. Là, fait que là, le monde faisait des numéros 2. C'était-tu des numéros 2? Oh, ouais, c'était fait que là, c'est 2. Quoi? T'as à peu près 20 personnes? Les culottes baissées? À côté de l'autobus? Hein? C'était assez foudroyant. Mais le monde, il se trouvait-tu des cachettes quand il sortait faire le numéro 2? Ou tout le monde se mettait en ligne? Yann, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps, on est arrivé au cégep, ça courait. Ça courait, le département au cinquième étage, il y avait une toilette en haut, ça faisait la file. Comprends-tu? Moi puis mon
mon buddy avec qui on n'avait rien fait, là, et qu'on n'avait rien mangé, qu'on était mort de rire, ça n'avait pas de bon sens. Oui, le Ford Ranger, une maudite belle sortie du Gatsby. Mais le chauffeur de boss, il n'a pas pris, lui? Non. Une crise de chance? Le chauffeur, il reste dans l'autobus, c'est une chance. Il devait-tu capoter, lui, genre, « OK, arrête, là, on est dû! » Puis là, tout le monde sort en courant de l'autobus. Puis là, il se baisse les culottes. Pour ne plus rien manquer, visitez www.yanterio.com. Abonnez-vous au stream et attendez le signal.